Hello les amis, c'est Frit. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui vraiment on se retrouve sur une map, genre je suis tombé dessus complètement par hasard, genre elle s'appelle Inception Dark. D'ailleurs je me demande si c'est pas inspiré de quelque chose de connu, soit un jeu ou un film, bref je sais pas, mais regardez ça, on a vraiment pas l'impression d'être sur Roblox, c'est un truc de fou. En fait je suis tombé sur cette map là via la chaîne Roblox, la chaîne je crois officielle que tu peux trouver sur YouTube, donc la chaîne de Roblox, et je suis tombé là dessus et je me suis dit mais attends, c'est vraiment Roblox ça? Et bah comme vous pouvez le voir ici, ça ressemble vraiment quasi pas à Roblox, mais on est bien sur Roblox et du coup on joue le rôle d'un astronaute et nous allons devoir je pense réaliser des objectifs. Là je vois qu'il y a Logfound 1/7, donc on va d'abord essayer de compléter cet objectif là et on verra bien par la suite après on peut faire d'autres. Alors le seul petit problème c'est qu'à mon avis c'est tellement gourmand en termes de ressources que du coup ça bug un peu, mais c'est bonne ambiance en tout cas. Regarde ça, là il y a un putain de robot là qui s'enjaille sur la piste de danse, il y a des trucs pour manger et tout, on est dans un petit marché au calme, on a un robot là aussi également, c'est très futuriste, mais ouais c'est plutôt stylé en vrai. Donc on va continuer un petit peu de se balader, de découvrir les bails et voir ce qu'on peut réellement faire dans cette map. Regarde là, t'as les chambres avec les lits et tout pour pouvoir dormir. Ok, là-bas il y a quoi du coup? Bas, on a une sorte d'entrepôt. Là, on stocke énormément de choses à mon avis. Et là, j'ai l'impression que je peux pas aller là-bas. Ok, donc les logs, en fait, je sais pas trop ce que c'est. En vrai de vrai, j'en ai récupéré un et au final, je sais même pas ce que j'ai récupéré, tu vois. On va essayer d'en trouver d'autres. En vrai, c'est peut-être un événement, je le sais même pas, tu vois. Je sais pas, écoute, on verra si en complétant l'objectif, on arrivera potentiellement à gagner un objet, un truc gratuit. Je sais pas vraiment ce que c'est, en fait, cette map. J'y vais vraiment à l'improvisation. Par contre, là, c'est fermé là. Pourquoi je peux plus ouvrir des portes là? Et il fait plus sombre aussi qu'avant. C'est peut-être pour ça que je peux pas ouvrir les portes. Waouh, c'est quoi ce son, mec? C'est quoi ce son là? What the fuck? Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est possible de récupérer un log, s'il vous plaît? Je veux un log. Non? Ok, très bien. Je vais me faire voir alors. Attends, je suis pas monté là-haut. Tiens, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Ça a l'air stylé en vrai. Il y a ce truc là. Ok. Et là, ça fait quoi? On dirait un téléporteur, genre, on dirait que je vais me faire téléporter quelque part, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout, ok, ça ne m'aide pas. Ah, par contre, là, on n'a pas encore été. Arbotetum. Ah, c'est un endroit avec de la végétation et tout. C'est stylé, en vrai, c'est stylé. Ça fait penser un peu à No Man's Sky, genre, c'est cette ambiance et tout. Oula, par contre, oula. Waouh, mon quoi? Mais c'est quoi, ça? Attends, il vient de se passer... Waouh! C'est mal l'alien, mon gars, mal la taille de l'alien. Ah, lui, il va tout fracasser, en fait. Lui, il va détruire le monde, c'est sûr. Oh là 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 là, je suis dans une merde. Je suis dans une merde. Faut que je me casse de là, direct, hein. Il faut vraiment que je me casse de là, parce que là, ça craint. C'est pas ça, un logs? Si, c'est ça, c'est ça, un logs. Ok, let's go. Il y en a encore 5 à trouver, donc c'est des petits téléphones, très bien. Bah, let's go, en continuant, du coup, notre petite recherche de logs. Et on verra bien à la fin ce que ça fait. Waouh, regardez ça, comment c'est stylé. Alors, on peut avoir une vue comme ça aussi. Là, ça fait un peu plus Roblox pour le coup. C'est magnifique la vue, là. Vraiment, c'est incroyable. On est clairement dans l'espace, là. Par contre, la caméra, elle a vraiment du mal de temps en temps. C'est abusé. Hein. Ah, mais il y a d'autres gens qui ont joué la game depuis. Ok, putain, je pensais que c'était une map qui se jouait tout seul. Mais non, ok, il y a des gens aussi avec nous. Ah, là-bas, regardez. J'ai trouvé un autre log. Let's go. Je trouve un log ici. Ok, ça fait 3/7. On dirait des missions, genre des messages qu'on reçoit, genre de la part de personnes qu'on ne connaît absolument pas. Hein. Pour le coup, on ne les connaît pas. On va aller voir par là-bas. Je crois que je suis pas encore allé là-bas, là. La porte ici. Attends, ça nous emmène où? Ah non, ça nous ramène ici. Ok, très bien. Où est-ce que je pourrais récupérer les autres logs? Il en reste 4. Il y a un avion là dehors. Pas un avion, c'est un vaisseau. Mais peut-être que je peux pas, en fait. Tant que j'ai peut-être pas débloqué tous les logs, je peux peut-être pas encore aller là-bas. Ah là, il y a un autre log. Let's go. 4/7. Allez. On y croit là. Là, on a fait plus de la moitié. Par contre, ça repart en couille là. Je crois qu'il y a l'alien qui fait de nouveau de la merde là. Les autres, ils doivent être en panique aussi là. Attends, mais j'avais déjà récupéré celui-là ou pas? Ouais, je crois que j'avais déjà récupéré celui-là. Ouais, celui-là, j'ai déjà récupéré. Très bien, je peux pas rentrer là-dedans. Voilà, par contre, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur l'alien. Il faut se détendre un petit peu là. C'est samedi en plus, donc go se détendre un peu. Il y a pas un log, je pensais, ici caché dans la végétation, ça m'étonnerait pas. Il y a des robots et tout. Ah, c'est quoi ça? Ok, donc c'est juste une lumière, très bien. C'est vraiment l'endroit le plus joli de la map ici, hein. C'est très très beau. Reactor Room, est-ce que je suis déjà allé là-bas ou pas? Je crois pas, hein. Ah non, je suis jamais venu ici. Et regardez, en plus, il y a un log, c'est parfait, tu vois. Nouvelle pièce, nouveau logs. Par contre, c'est pas très rassurant, là, toutes ces alarmes et tout, là. Là, je crois qu'il y a un gros problème, non? Ok, on va aller là-bas. Waouh, c'est tellement stylé! Regardez-moi ça, c'est incroyable, putain, c'est vraiment incroyable. Oh là, par contre, il y a des objets qui volent et tout, ça a l'air d'être un peu la merde par ici. Il n'y a pas de logs? J'aimerais sauter, mais j'ose pas trop, genre. Regarde, si je saute comme ça, là. Waouh, où est-ce que je vais, là? Où est-ce que je vais? C'est pas, en tout cas, ce qui est stylé, c'est qu'on sent qu'il y a de la gravité ici, par ici, qui est différente. Je vais essayer de remonter comme je peux, hein. Ah, je pense que si je remonte comme ça, en vrai, je peux remonter sans problème. Let's go, c'est bon, je suis revenu. Ok, je pense pas qu'il y ait de logs à récupérer ici, vu qu'on en a récupéré un juste avant.
Donc on va continuer une petite recherche. Il en reste plus que deux. Et je sens que ça va être galère en vrai. Je sens que ça va être très galère de les trouver. En fait, c'est une chasse au trésor quoi, mais dans un énorme vaisseau spatial. Hein. Je crois que c'est ça la map. Allez, monsieur l'alien pète de nouveau un câble. Let's go. Rentals, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, on revient ici. Très bien. L'entrepôt, j'avais déjà récupéré, ouais. J'avais déjà récupéré un logs, ouais. C'est celui là-bas. On va remonter. On va voir. Ici, c'est fermé. Ok, je peux pas. Dommage que je puisse pas accéder à toutes les pièces. Là, ici, il y a forcément un lox que j'ai pas vu quelque part, là, au niveau des chambres et tout, c'est pas possible. Là, bonjour, monsieur le robot, il a l'air traumatisé, le pauvre. T'as vu comment il a peur? Le pauvre. Oh, là, voilà. 6 sur 7 logs, ok. En fait, je pense qu'il y a vraiment un logs dans chaque pièce principale, des grosses pièces comme ça. Faut toujours bien regarder, parce que à mon avis, c'est là que tu récupères les logs, donc... on va faire attention. Dès qu'on est dans une grosse pièce, on va regarder, genre. En rental, tu vois, je crois que je suis déjà allé, là. J'y viens justement, non? Quoique, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à récupérer par ici? On est clairement genre à l'accueil, tu vois, regarde, il y a même des vols et tout là. C'est comme à l'aéroport. Sauf que bah ici, c'est pas vraiment un aéroport classique, quoi. C'est un aéroport, mais avec des vaisseaux spatials. Ce qui est quand même plutôt stylé en vrai, on passe mytho. J'aimerais bien moi aller là et voir les vaisseaux et tout. Peut-être que c'est possible de le faire après. Ah, celui-là, je l'ai récupéré ou pas? Ah non, j'ai déjà récupéré, faux espoir. Reactor room, tiens. Ah, est-ce que ce serait pas celui-là ou est-ce que je suis déjà venu par ici? Attends, on va voir du coup. Non, c'est le même, ok, j'ai déjà eu. Tiens, on peut interagir avec ça. Ça fait quoi? Wow, what the fuck? Départ, arrivé. Ok, je pense que c'est pour donner des informations. Ok, super, mais moi, je comprends pas trop, donc clairement, on va éviter de regarder ça. Je pense que ça vaut mieux, hein. Que je peux sauter là-dessus? Non, je traverse, dommage. Ah bah attends, c'est pas celui-là? Ah si, c'est celui-là, let's go. Vous avez trouvé du coup toutes les informations nécessaires. Convenience. Ah, je pense en gros je peux explorer, etc. Bah comme je veux en fait, comme j'en ai envie. Mission complétée. Ah mais c'est dommage, moi j'aurais voulu un autre truc les gars à faire là. J'aurais voulu un truc plus sympa là. Genre une petite mission ou quoi, qu'on aille sur une planète. En tout cas, je sais pas si un jour cette map sera aboutie, si on pourra partir avec des vaisseaux et tout. Ce serait trop bien, tu vois. Ouais, j'ai fini la map quoi, en gros. Voilà, j'ai plus rien à faire dessus. Et bah yes, un plaisir en tout cas. Et bah écoutez, ça aurait été quand même, je trouve, une expérience plutôt sympathique en vrai. Genre ça fait bizarre parce que c'est Roblox, mais sans vraiment être Roblox. Genre complètement différent et on sent que les capacités graphiques de Roblox ont été poussées au maximum. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des petits ralentissements. Voilà, au niveau FPS, c'est pas non plus incroyable, mais par contre, en termes de visuel, c'est vraiment ultra propre. On est quand même sur du Roblox. Donc franchement, je suis assez surpris, je suis assez étonné. J'avais déjà pu découvrir une map dans ce style-là. C'était une map où, tu sais, genre, c'était un petit peu genre un Call of Duty, mais en mode Roblox. C'était assez surprenant aussi, genre, comment ça avait été fait. Et là, bah, c'est encore plus, je trouve, surtout avec les décors un peu espace comme ça, futuriste. Tout ça, grave sympa. Donc rien que pour l'expérience, je regrette pas du tout d'avoir découvert cette map-là avec vous. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà, je suis pas déçu. Du coup, bah, les amis, si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à me le montrer en mettant votre petit like, en mettant dans les commentaires si vous aviez déjà peut-être testé cette expérience-là avant de regarder cette vidéo, ou si vous avez découvert en même temps que moi. Vous me dites tout, et sinon, bah, moi, je ne retiens pas plus. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Fred comme d'habitude. Prenez soin de vous, d'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt. Ciao, ciao.